Hey, si toi aussi tu veux un maximum de vidéos Clash Royale, des rushs et attaques dans le top 200 monde, des packs opening de folie, des mises à jour en avant-première et bien plus, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube. Bonjour tout le monde, c'est Farce Attack, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale et oh, regardez-moi ça, aujourd'hui nous avons une offre spéciale, un coffre légendaire, boum! Il tombe juste maintenant donc ça fait juste super plaisir les gars. Et du coup, il me faut à tout prix un électro-sorcier ou une voleuse, je le veux. S'il vous plaît, donnez-moi une de ces deux légendaires les gars, explosez-moi cette barre de pouces bleus. Pour que j'ai une de ces deux cartes. Portez-moi chance les gars, vos pouces bleus, j'en suis sûr, ils me portent chance. Attention, on va se l'ouvrir. 3, 2, 1. Oh là là, attention. Pitié, s'il vous plaît. Et la bûche. Bon, ça va les gars, on a eu la bûche. Ok, bon, ben c'est pas si mal, étant donné qu'elle est niveau 4. On avance vers la bûche de niveau max qui est juste ici. Ça fait plaisir hein, quand même, ça fait plaisir. Au passage, je suis à 5060 trophées. Du coup, je vous propose qu'on se fasse une petite attaque. Vous savez quoi? Non, on va s'ouvrir ces deux coffres-là. C'est parti, le petit coffre magique qui fait plaisir. On a de l'or, on a du canon, on a de la boule de feu, du gobelin cerbacane, de la pierre tombale. Attention, cabane de gobelin, électrocution et x4 bourreau. Ok, ça me va, c'est pas si mal. On va s'ouvrir le coffre géant, c'est parti, bourreau, valkyrie, et attention, Tesla, d'accord. Bon ben voilà, est-ce qu'on se fait un petit super magical chest? Je ne sais pas, non. Vous savez quoi, on va plutôt se faire une attaque, c'est parti, on lance sans plus tarder, et nous sommes contre Falling Goupil de Crucible Dwarf. Ok, on va lui dire bonne chance, c'est parti. Alors, du coup, je joue un deck grattage mineur. On va partir directement sur un petit mineur poison, ce qui défend. La méga gargouille, c'est pas ouf. Hein. Ouh, 5% de batterie, oups. Du coup, alors attendez, ça sent... je sais pas ce que c'est comme deck, ça. Je sais pas, c'est assez bizarre. On va défendre aux sorciers de glace, on va mettre les petits squelettes ici pour éviter, pour garder tout simplement notre sorcier de glace en vie. On va mettre un petit poison ici pour les archers. Du coup, est-ce que ça serait pas un deck ballon, ça? Tiens, c'est bizarre. Il y a le bûcheron également. Ouais, pourquoi pas. On va mettre un petit esprit de glace ici. Voilà, ça va faire le taf avec la tour de l'enfer. C'est un deck golem. D'accord, super. Bon, ben, on va mettre notre petit mineur ici pour gratter tranquillement. Par contre, c'est bien joué le bomber. Très bon bomber de sa part. C'est assez bizarre, hein, ce deck. C'est assez bizarre, les gars. On a la petite tour de l'enfer qui arrive ici. On va la placer comme ceci. Voilà, boum. Ah d'accord, le mec joue golem gel. What the fuck? What the fuck? Il joue golem gel. On va mettre un petit sorcier de glace ici. C'est assez bizarre, hein. Je vous avoue que golem gel, d'accord. What the fuck? What the fuck? On va mettre le petit esprit de glace ici. Il va aller sur l'archer. C'est pas ce que je voulais, malheureusement. Ok, c'est parti, mineur, poison. J'aime pas trop utiliser mon poison sur un prince, j'allais dire, sur un chevalier. Mais bon, c'est pas bien grave. Ici, on va défendre au chevalier, comme ceci. On va mettre les petits squelettes, voilà, avec l'esprit de glace pour ce bûcheron. Ouh, c'est bien joué le gel de sa part là, c'est bien joué. C'est un peu la PLS. Très bon gel de sa part, par contre. D'accord, bon. On va remettre un chevalier ici, étant donné que le bébé dragon, voilà, comme ça, il met pas de dégâts sur la tour. On va se mettre un petit mineur poison. C'est parti. Ah, là, ça fait le taf. Là, ça fait le taf, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. Je pense qu'on va repartir sur un petit sorcier de glace ici. On va mettre la bûche. L'esprit de glace et tout simplement les petits squelettes malheureusement qui se font des pop. Hop. Ouh, très bien joué de sa part, attention. Aïe, 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 j'ai mal. Aïe, oui, aïe, ça fait mal là, ça picote. Ça picote, ok. Allez, c'est bon.
C'est bon les gars, on s'en sort. Bon, il y a le bébé dragon qui tape, il saoule. Hein. Il saoule ce bébé dragon. Son gel qui me fait assez mal hein, quand même. Son gel qui me fait assez mal, mais là on est très très bien les gars. Et est-ce qu'on peut finir à la bûche? Non, on peut pas finir à la bûche, d'accord. Super, du coup il faut cycler. On va mettre la petite tour de l'enfer ici. On va mettre hop, et là c'est parti. On part sur un petit mineur. Mineur bûche, et c'est la victoire. Super combat. Donc voilà les amis, on va s'en faire un petit deuxième. J'espère que j'aurai assez de batterie. D'accord, ça me met 100% ici. Ok. Il nous dit bonne chance. On va s'en faire un petit deuxième. Et du coup je pense qu'on va utiliser ce deck là. Non, quoique je sais pas. Ouais, on va retester avec ce deck. Hein. On va retester avec ce deck. On est contre Excalibur de Munich Warrior. On va lui dire bonne chance, c'est parti. Donc les gars, si la vidéo coupe, c'est que j'ai plus de batterie. Et du coup, j'aurais perdu ma game au passage. Mais bon, ne parlons pas de malheur. Ok, lui aussi il joue dragon. Intéressant. Intéressant. Du coup, ça sent soit le golem, soit le molosse. What? Attendez, c'est quoi ce bordel? Le mec a le même deck ou quoi? Oh, la bûche! Là, je suis un peu chanceux, là. Ouais, je suis clairement très chanceux, même. Ouh, d'accord, donc le mec a presque le même deck. Il n'avait pas le gang, celui d'avant. Mais c'est assez marrant, quoi. D'accord, pourquoi pas. Allez, ben on repart avec un mineur esprit de glace. J'ai trop peur que l'iPad s'éteigne. Ok, c'est bon, ça fait le taf. La tour qui est à 3000. On est bien pour le moment. D'accord, lui aussi joue golem. Lui aussi il joue golem. Donc c'est franchement c'est assez marrant. Hein. Le mec il a aussi méga gargouille. Aussi le bébé dragon. Il a également... Par contre là... Ouais, non. La méga gargouille, tu te calmes. La foudre, j'espère qu'il n'a pas la foudre. D'accord, le mec n'a pas la foudre. Si, il a la foudre, mais elle arrive beaucoup trop tard. Malheureusement pour lui. Ok, on va mettre l'esprit de glace ici. C'est parti, le mineur. On repart en agression. Ah, c'est bien joué de sa part, bien défendu. Mais du coup, on n'a pas à défendre là, des deux côtés. On prend quelques dégâts à gauche. Ok, c'est pas grave. Et si, quand même, la tour qui est à 2400, d'accord. Intéressant. Alors, est-ce qu'il va rejouer son golem? C'est parti. Il joue pas, ça me perturbe là. Ouh, golem offensif. Par contre, je vais me prendre une foudre là, je suis pas prêt. Je vous le dis, je suis pas prêt, je vais me prendre la foudre. Aïe, elle arrive. Et elle arrive trop tard cette foudre. Magnifique. Du coup, on repart sur un petit mineur poison ici. Voilà, ça fait le taf. Oula, bien joué de sa part. Oh, la tour de l'enfer qui fait le taf ici, magnifique. Par contre, je suis full d'élixir là. Je fais n'importe quoi. Bon, on repart sur un petit chevalier avec le mineur au fond. Avec également le petit poison que j'aurais dû mettre un peu derrière, je pense. Par contre, là, les gars, on va se retaper la foudre à mon avis. On met la petite bûche ici. On va mettre... vous savez quoi? On va agresser au mineur là. On va agresser au mineur. Il tente le tout pour le tout. Nous aussi, ça tombe bien. Ça tombe bien. Et attention. Et non, il est plus rapide. Oh, j'y crois pas. Oh là 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 là. Moins 32. Non, mais c'est nimp. C'est nimp. Le bûcheron, il est... Mais je comprends pas. Le bûcheron, il m'a défoncé. Bon, bah, en tout cas, bien joué à lui. J'étais pas prêt là. Je vous le dis, j'étais clairement pas prêt, les gars. Bon, les gars, on va se refaire un petit combat. Et j'ai décidé, moi aussi, d'utiliser le golem avec le bûcheron. Donc, c'est parti. Ok, nous sommes contre Rashed Allo Taibi. Ah, du coup, j'ai les triples mousquetaires également. Donc, c'est un deck que j'ai copié. J'avais pas vu les triples mousquetaires. J'étais clairement pas prêt. Est-ce qu'on tente un petit pré-shot avec la bûche et le bûcheron ici? La bûche et le bûcheron, ça tombe bien. D'accord, c'était totalement fail. C'est pas grave. Il me faut la pompe assez rapidement là. Il me faut la pompe assez rapidement. Ah, oh, lui, il l'a en main. Bon, ben c'est parti, on la met nous aussi. Donc c'est un deck qui coûte très cher hein, quand même. Il dit super.
Il défend pas par contre le gang de gobelins. Ouh, lui aussi il joue golem. D'accord, bon. Super. Ça fait plaisir. Alors est-ce que je joue moi aussi mon golem? On va le jouer aussi. Mais du coup ça va être assez chaud. Je sais pas ce qu'il a derrière. Il est énervé. Il est pas content. Est-ce qu'on joue? Ouh, il a le bébé dragon. J'ai bien envie de jouer les triples mousquetaires, mais c'est un peu risqué, hein. C'est un peu risqué. Vous savez quoi? On va la jouer comme ça. On va la jouer comme ceci. J'espère qu'il a pas les fléchettes. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok. De toute façon, on perd la tour. Mais on prend sa tour aussi, donc ça va. Et vous savez quoi? On va partir en trois couronnes avec les triples mousquetaires. Allez, ça peut être épique. S'il vous plaît. Le petit pré-shot de la bûche et c'est bon, ça passe, magnifique. Bon ben voilà, il était pas prêt. Allez, salut. Super combat. Oh là là, énorme. Énorme ce qu'on lui a mis, plus 30. Bon ben voilà, du coup les amis, on arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si ça vous a plu. Et me dire en commentaire quel est votre deck que vous utilisez en ce moment et pourquoi. Et puis moi, je vous fais de gros bisous, bye. Portez-vous bien, ciao.